Mesdames et messieurs, bienvenue dans l'édition de 15h, dont tels sont les faits saillants. Dans la une de l'actualité, le président somalien Mohamed Abdullahi Mohamedi Farmajo entame une visite officielle à Djibouti. Et dans l'actualité internationale, 358 nouvelles recrues viennent d'intégrer les corps de la garde-côte djiboutienne. Et dans l'actualité internationale, Donald Trump en Cisjordanie. Je vous le disais dans le titre, le président de la République de la Somalie, Mohamed Abdullahi Mohamedi Farmajo, est arrivé ce matin à Djibouti, où entame une visite officielle de 48 heures. Dans le pays, à l'invitation du président Guelé. Le chef de l'État somalien a d'ailleurs accueilli à l'aéroport par son homologue djiboutien. Les deux hymnes nationaux ont été entonnés. C'est vers 14 heures que l'appareil du président somalien a atterri sur le tarmac de l'aéroport. Peu après, le président a salué toutes les personnalités venues l'accueillir, dont les membres du Parlement, des forces armées et de la sécurité, ainsi que les corps constitués. Puis après le président somalien et ensuite un premier entretien avec le président Guelé au salon d'honneur de l'aéroport. Les deux hommes deviennent vite s'y rendre ensuite au palais présidentiel pour plus large discussion. L'accueil réservé à l'hôte de la République de Djibouti à l'aéroport a été des plus chaleureux en dépit de la grande chaleur qui soufflait à l'aéroport. L'avion du président Farmajo ayant pris du retard sur les horaires prévus. Voici à présent le portrait du président de la République du Somalie, Mohamed Abdullahi Mohamedi Farmajo.
Il est le 9e président de la Somalie. Monsieur Mohamed Abdullahi Mohamed a un parcours atypique et un destin, l'histoire de la Somalie. Mais qui est Mohamed Abdullahi Di Farmaggio? Cet homme qui a galvanisé le peuple somalien et sa diaspora. Il est né le 5 mai 1962 à Mogadiscio. La politique est un fibre imprégnée dans l'ADN familial Mohamed. Ses parents étaient déjà des militants réguliers de la Ligue de la Jeunesse Somalienne, le premier parti politique post-indépendance du pays. Très tôt, le jeune Mohamed Abdullahi découvre que sa quête est ailleurs. Il est de ces générations qui ont quitté très tôt leur pays pour se construire une carrière à l'étranger, loin des conflits claniques qui rongent le pays de l'intérieur. En 2010, il fait la rencontre qui va changer la cour de sa vie. En visite à New York, Sharif Sheikh Ahmed, le chef de l'État somalien de l'époque, demande à rencontrer cet homme très populaire dans les milieux diplomatiques. Il est séduit par la pertinence d'analyse de l'homme qui avait fait une thèse sur les intérêts américains en Somalie. Cet épisode fera de Mohamed Abdullahi le premier ministre de la Somalie de novembre 2010 à juin 2011. Après ce bail à la primature somalienne, il lance son propre parti, le parti politique Tayo, qui plaide pour un retour de la diaspora somalienne pour sortir le pays des troubles politiques nés de la guerre civile de 91. Mohamed Abdullahi Mohamed Farmaggio, aux récentes élections, dans ses discours, s'est appuyé sur les valeurs de son parti, qui plaide pour l'unité nationale face à la terreur des Shabab, mais aussi sur sa réputation d'homme politique honnête et intègre. Les manifestations de joie qui ont accueilli son élection le 8 février dernier témoignent du vent d'espoir qui accompagne son entrée à la villa somalienne, le palais présidentiel. Son élection ne lui laisse aucun répit pour des célébrations. Mohamed Abdullahi devra reconstruire un pays ruiné par la guerre, rongé par la corruption et à la population menacée par la famine. La cérémonie d'investiture à Mogadiscio a réuni de nombreux officiers, des appuyés amis de la Somalie, dont le président djiboutien Ismaël Omar Guelleh. Les défis sont immenses pour le président Abdullahi Mohamed Farmaggio, devra remettre sur les rails une économie de suivi. Dans ce tableau sombre, Mohamed Abdullahi apparaît comme la lumière de l'espoir, celui de voir émerger une Somalie, nouvelle maître de son destin. Et toujours dans l'actualité nationale, le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a condamné avec force aujourd'hui l'attaque terroriste qui a ciblé les spectateurs d'une célèbre salle musicale de la ville de Manchester, qui a causé la mort à plus de 22 personnes, entraînant également une cinquantaine de blessés. Dans un message de solidarité et de soutien à la première ministre du Royaume-Uni, a écrit le président Guelleh. Leur principal objectif consiste à instaurer le chaos et la haine entre les différentes composantes culturelles du monde, a-t-il précisé. Il symbolise ce qui est le plus réfracteur au principe d'une vie moderne basée sur la coexistence pacifique des communautés à la tolérance, a également poursuivi le chef de l'État. Le président Guelleh a fait part de sa sympathie, compassion ainsi qu'à celle du gouvernement et du peuple de Djibouti, à Mme May et à l'ensemble du peuple ami du Royaume-Uni. L'attaque terroriste perpétrée hier soir à Manchester s'est produite sous la forme d'une gigantesque explosion dans le vestibule d'une célèbre salle musicale de cette ville. Voici en image et en détail pour ce qui est de produit. Au moins 22 personnes ont été tuées, 59 autres ont été blessées hier soir à Manchester dans ce que la police britannique qualifie d'acte terroriste, vraisemblablement perpétré par un seul assaillant. L'homme serait introduit dans une salle de concert à Manchester Arena pour y faire exploser une charge portée sur lui. La première ministre Theresa May a elle aussi qualifié le drame d'attaque terroriste. Il s'agit de l'attaque la plus meurtrière commise sur le sol britannique depuis les attentats de juillet 2005 dans les transports publics londoniens et dans lesquels 52 personnes ont péri. Le drame s'est produit après l'attaque commise en mars dernier dans le quartier de Westminster, lors de laquelle un Britannique converti à l'islam avait tué 4 personnes en les percutant avec son véhicule avant de poignarder un policier à mort. La police de Manchester a expliqué être intervenue hier soir vers 22h30 où s'est produisée la chanteuse américaine Ariana Grande devant un public majoritairement composé d'enfants et d'adolescents. Inaugurée en 1995, la Manchester Arena a une capacité d'accueil de 21 000 personnes. C'est la plus grande salle de spectacle couverte d'Europe. Autre nouvelle du pays, à cet effet, une importante cérémonie a été organisée hier au camp militaire de Al-Une dans la région de Arta.
Cette cérémonie s'est déroulée dans la houlette du ministre de l'Équipement et des Transports, Mohamed Abdelkader Moussa Helem. Elle a vu la participation du général des divisions, Zakaria Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées, du commandant des gardes-côtes djiboutiens, le colonel Waes Omar Borre, de l'ambassadeur du Japon à Djibouti, Tatsuo Arai, du commandement militaire djiboutien, du préfet de région d'Arta, Abdelhadi Darar Okiye, des élus de la région ainsi que de nombreux invités. Ces 358 jeunes recrues viennent doubler l'effectif des gardes-côtes. La cérémonie a débuté avec l'arrivée du ministre du général de division Zakaria Cheikh Ibrahim, accueilli par le colonel Waes Omar Borre. Le général a d'emblée procédé à la revue de troupes, composée de nouvelles recrues des gardes-côtes djiboutiennes. Le ministre de l'Équipement et des Transports, Mohamed Abdelkader Moussa Helem, a également passé en revue les nouvelles recrues aux côtés de leur commandement, de la colonel Waes Omar Borre. Plusieurs grands projets portuaires sont en cours de réalisation et verront le jour dans un futur proche, comme le port multiservice de Djibouti qui sera pleinement opérationnel et les projets portuaires du Goubet, des Tadjoura, d'Obok et seront finalisés, ainsi que le complexe touristique de Moucha, de Rassiane qui commenceront à accueillir leurs premiers clients. Ce fut proche inscrit dans la continuité des projets de développement socio-économique initiés par le président de la République. Les gardes-côtes djiboutiennes se doivent de les protéger contre toute menace, d'où l'importance cruciale du renforcement des ressources en hommes disponibles pour intervenir sur l'ensemble du domaine maritime djiboutien. Couvrir toutes les côtes, être disponible sur les plages pour porter secours à tous ceux qui sont en difficulté. Lors d'une allocution prononcée à cette occasion, le commandant des gardes-côtes djiboutiens, le colonel Waes Omar Borre, a souligné qu'il est devenu impératif pour la République de Djibouti de prendre les dispositions nécessaires afin de garantir la sûreté et la sécurité maritime. Les ports constituent le principal levier du développement socio-économique du pays. On l'écoute. Le recrutement de ces jeunes recrues, qui font plus que doubler les effectifs de notre institution, n'aurait pas été possible sans le soutien inconditionnel et indéfectible, sa foi permanente de notre institution, du président de la République, Son Excellence, Monsieur Ismaël Omar Guelleh, chef suprême des armées et chef de toutes les armes. Sa vision d'une République de Djibouti où le développement social et économique, accompagné par des moyens sécuritaires adaptés avant de garantir l'intégrité du territoire national en général et des domaines maritimes djiboutiens en particulier, se reflète dans l'attention de tous les instants apportée par le président au développement de la garde-côte djiboutienne. Je ne fais pas revenir aujourd'hui sur l'ensemble des succès éclatants que de la garde-côte djiboutienne a accompli de ces dernières 5 années, dans le domaine de la lutte contre toutes les activités criminelles et illégales en mer. Je fais par contre vous projeter dans un futur proche que Djibouti va réaliser, où le Djibouti Multipurpose Port sera pleinement opérationnel prochainement et le projet de portières de Goubet, de Tadjoura ainsi que d'Amirjouk qui seront finalisés prochainement. J'oublie jamais les zones touristiques et les complexes touristiques des zones dans notre pays tels que Moucha et les Rassiennes commenceront à accueillir leurs
première qu'il y a aussi. Le jury qui présente en ce jour devant vous vient de terminer la formation initiale d'instruction militaire. Ils seront désormais formés au métier spécifique au domaine maritime qui vient avec la mission des gardes-côtes djiboutiennes dans le domaine maritime judiciaire et rejoindront les équipages qui font sur le bateau et plutôt ils seront les pilotes et les mécaniciens des bateaux de la garde-côte djiboutienne. De son côté, le ministre des Transports a précisé que les gardes-côtes prennent ainsi part également à la sécurisation des zones maritimes économiques spéciales, annulant les opérations de contrebandiers et trafiquants, ce qui s'active dans l'envoi vers le Yémen des migrants et des clandestins, ou les projets des pirateries maritimes, l'instabilité en Somalie et le conflit civil au Yémen accroissent ces risques alors que les appareils sécuritaires de ces États sont en délinquance. Écoutons-le. C'est dans l'optique de renforcer les lois maritimes que s'inscrit cette nouvelle stratégie du commandement des gardes-côtes qui est d'élargir son capital humain afin de répondre aux missions qui lui ont été confiées. Depuis la création, les gardes-côtes djiboutiennes a fait preuve d'une persévérance et d'une efficacité remarquable quant à l'exécution des missions qui lui ont été dévolues. La lutte sans relâche de la garde-côte contre toutes les formes d'activités illégales et criminelles dans les eaux territoriales de la République de Djibouti a permis de renforcer davantage la sécurité et la sûreté dans le domaine maritime. Mesdames et messieurs, cependant, c'est avec joie que je peux dire que la garde-côte djiboutienne répond pleinement aujourd'hui à la vision du président de la République de Djibouti, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, de garantir un domaine maritime djiboutien sûr pour les biens et les personnes. J'ai saisi l'occasion qui m'est donnée en ce jour particulier pour exprimer mes soutiens constants et indéfectibles du président de la République de Djibouti, de l'ensemble du gouvernement, des autorités djiboutiennes et à l'ensemble des partenaires internationaux à l'action quotidienne que mène sans relâche cette institution. Finalement, sans tarder, je tiens à féliciter le jeune recrue de la garde-côte djiboutienne ici présent et leur souhaite bon courage et bonne continuation, sans oublier bien sûr leurs instructeurs qui ont aussi géré cette lourde tâche. Je félicite également tout le personnel de la garde-côte pour leur dévouement, leur abnégation et leur patriotisme envers leur pays. Autre nouvelle du pays, le bureau des sports des forces armées a organisé hier matin la finale de football inter-unité militaire de la saison 2016-2017 au stade complexe du roi Fahad à Balbala. Cette finale a opposé les équipes du camp Cheikh Ousmane à celles des forces d'intervention rapide, autrement dit le FAR. Ont assisté à cette finale le chef d'état-major général des forces armées de division, le général Zakaria Cheikh Ibrahim, le général Hassan Ali Kamil et le secrétaire général du secrétariat d'état à la jeunesse et au sport, M. Mohamed Ahmed, dit Mao, ainsi que le président de la fédération de football, Hassan Suleiman Wabri. L'équipe de CCO a battu celle des FAR par 4-0 et a remporté le championnat militaire. Au cours de la mi-temps, deux épreuves de course à pied ont été organisées. Un 800 mètres pour les garçons et une course de fond sur les filles. Au classement final, Hussein Rig Hussein a remporté la première place et il est suivi par Suleiman Barré Roblé. Nous assistons ce matin à la cérémonie de clôture de compétition inter-armée qui a été organisée ce stade de Bor Fahad ce matin. Vraiment nous réjouissons cette cérémonie qui a été organisée vraiment dans les arts. Nous assistons aussi à la renaissance
du sport militaire qui a été longtemps absent de chemin. Donc, en tant que président de football, je suis très content de voir le football qui se déroule ici ce matin. Je félicite le général Sekeria ainsi que tous les hauts gardes de l'armée pour avoir travaillé pour rehausser le sport militaire. Comme vous avez constaté, le ministère de la Jeunesse et Sport, en collaboration avec la Fédération de football, avait organisé un tournoi de football intercorps, qui, Inch'Allah, qui va se dérouler bientôt la finale. Et ça aussi, ça montre que le ministère de la Jeunesse et Sport a donné l'importance sur le développement aussi du sport militaire. Dans les cadres des préparatifs et des festivités du 40e anniversaire des Djibouti, qui a été remis un important lot de matériel de nettoyage, d'entretien destiné à faciliter l'opération de Djibouti à ville propre. Ce matériel a été remis hier matin, aux représentants des trois communes de la ville de Djibouti par le comité national du 40e anniversaire de l'indépendance à travers la mairie de Djibouti-Ville, Madame Fatma Awale. Ousmane est le préfet de Djibouti, M. Ousmane Bilek Guiré. Cet événement a vu la présence sur place des élus locaux, le maire adjoint M. Ousmane Hamad Mohamed, le deuxième maire adjoint Khadir Elmi Afrasé et le conseiller président Ali Mohamed Dato, le coordinateur du CNO M. Barik Rifqi Bamakrama, qui par ailleurs ont tout salué le travail remarquable effectué par la maire de Djibouti depuis son élection. La mairie a été réceptionnée plus de 100 brouettes, 200 pioches, 300 râteaux, 600 balais normales et brosses, 600 sacs de poubelles, 400 pelles notamment destinées à être remis aux trois communes de Djibouti par un lot distinct. Madame Fatoua Awal Ousmane a indiqué que ce don illustre bien l'important, pas dans le cadre des opérations Djibouti, ville propre et sienne. Une initiative ample et saluée. Nous remercions Madame la maire donc, pour son accueil et Monsieur le préfet de la République. Merci. Dès là, nous passons de l'actualité internationale. Le président américain, comme je vous le disais, Donald Trump, qui a effectué son premier voyage au Proche-Orient, doit rencontrer le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, à Bethléem ce mardi. Là, après avoir célébré les liens indestructibles entre les États-Unis et Israël depuis Jérusalem, Donald Trump doit se rendre mardi en Cisjordanie occupée. Il sera reçu à Bethléem par le président palestinien, Mahmoud Abbas, qui lui a lui-même rendu visite à Washington. Lors de sa visite en Israël, le président américain s'est entretenu avec le chef du gouvernement Benjamin Netanyahou, devant lequel il s'en est de nouveau pris à l'Iran, tout en restant vague sur le sujet qui fâche le processus de paix. Alors que l'État israélien est préoccupé en plus haut point par l'influence régionale de l'Iran, en raison de ses activités nucléaires et de son soutien à des organisations, le 45e président américain s'est un nouveau pris publiquement à la République islamique au lendemain des virulentes déclarations à Riyad, où il a passé deux jours. Dans sa résidence officielle, Benjamin Netanyahou lui a témoigné sa satisfaction d'après avoir reçu une relation acrimonieuse avec Barack Obama, dont il s'approuvait les efforts de rapprochement avec l'Iran. Je ne vais vous sachez combien nous apprécions un changement dans la politique américaine à l'égard de l'Iran, que vous avez énoncé si clairement ses facilités, le chef du gouvernement israélien. C'est la fin de notre édition. Merci à vous de nous avoir ici. Mais restez avec nous pour les quelques minutes de focus. Inna s-salatan kanan على المؤمنين كتابا موقوتا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Merci de nous rejoindre pour les quelques minutes de focus avec sur nous sur le plateau Ahmed Hamad. Bonjour Ahmed Hamad. Bonjour Sonata. On va parler directement le président américain, comme je le disais, en l'actualité internationale, qui effectue son premier voyage au Proche-Orient, doit rencontrer le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, à Bethléem ce mardi. Effectivement, le président américain Donald Trump et le président palestinien Mahmoud Abbas à Bethléem en Cisjordanie. Et le président américain a condamné donc aujourd'hui l'attentat sanglant de Manchester perpétré par des losers malfaisants, a-t-il dit durant cet entretien entre les deux hommes, des hommes palestiniens. Donc un portrait américain Donald Trump dans une imprimerie en Cisjordanie, ville de Bethléem. Après avoir célébré les liens indestructibles ce matin entre les États-Unis et Israël depuis Jérusalem, Donald Trump doit se rendre aujourd'hui en Cisjordanie occupée. Il sera reçu donc à Bethléem par le président palestinien qui lui a lui-même rendu visite à Washington mercredi 3 mai dernier. Le souci donc d'équilibre dont témoigne le choix de Donald Trump de se rendre tout à la fois en Israël et en Cisjordanie ne doit pas alimenter de faux espoirs. Le président américain a bien déclaré discerner une rare opportunité pour la paix au Proche-Orient. L'administration a prévenu qu'il ne fallait pas attendre de sitôt un vaste plan diplomatique. Et un accueil mitigé donc attend Donald Trump dans les territoires occupés, dont la population n'a pas oublié ses déclarations pro-israéliennes alors qu'il était candidat à la Maison-Blanche. Et dans le deuxième titre, Trump condamne l'attentat de Manchester
perpétrés plutôt par des losers, un malfaisant en Londres. Exactement, notre solidarité avec le peuple du Royaume-Uni au total, a-t-il déclaré, tellement de jeunes gens magnifiques, vivant et aimant la vie, assassinés par des losers malveillants, a déclaré donc Donald Trump, très sombre et ferme, en présence du président palestinien Mahmoud Abbas, avec lequel donc il s'était entretenu dans la matinée. L'attentat suicide, rappelons-le, qui a tué 22 personnes, dont des enfants, à la sortie d'un concert pop lundi soir à Manchester, est survenu alors que Donald Trump poursuivait lundi à Jérusalem sa première tournée à l'étranger. Et M. Abbas a quant à lui de nouveau exposé le rêve palestinien d'État indépendant devant un président qui a dit maintes fois sa volonté de conclure l'accord diplomatique ultime. Merci Ahmed Hamad, merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés.